Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkfire pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment créer une clé USB bootable Windows 11. Donc cette vidéo elle fait suite à un commentaire que j'ai reçu sur ma vidéo achat d'un PC Memory PC par Trobal su YouTube qui me demandait comment on installe Windows. Alors tout d'abord vous allez commencer par aller soit dans le lien qui est présent dans la description de la vidéo, soit par vous rendre sur Google et taper dans la barre de recherche Media Creation Tool Windows 11. Ensuite, vous allez cliquer sur le premier lien. Et si jamais vous souhaitez mettre à jour votre PC actuel sous Windows 11, il voudra cliquer sur le premier télécharger, installation de Windows 11. Si vous souhaitez créer une clé USB bootable, ce qu'on va voir dans cette vidéo, vous cliquez sur le deuxième télécharger, création d'un support d'installation de Windows 11. Et si vous voulez installer Windows 11 sur un CD, vous allez cliquer sur le troisième télécharger, téléchargement de l'image de disque ISO. Donc nous allons cliquer sur le deuxième. Et une fois téléchargé, il va ressembler à ceci. Un fichier avec écrit Media Creation Tool Windows 11. Donc moi, je l'avais déjà fait sur une précédente clé USB, mais je vais le supprimer. Donc voilà, ça va ressembler à ceci une fois terminé. Moi, c'était le Windows 10 que j'avais. Il vous faudra pour ceci une clé USB de minimum 8 Go. Donc moi, je vais formater ma clé USB. Donc on la formate en FAT32, formatage rapide. Ok, donc formatage terminé, on va fermer. Et ensuite vous allez tout simplement cliquer sur le fichier, une fenêtre apparaît, configuration de Windows. Vous allez cliquer sur accepter, accepter les termes du contrat. Ensuite ils vont vous demander de sélectionner une langue, donc vous mettez français si c'est votre langue, Windows 11. Vous mettez pas, vous décochez la case utiliser les options recommandées pour ce PC. Vous faites suivant. Ensuite, vous cliquez sur disque mémoire flash USB. Donc là, il précise bien que la taille doit être minimum de 8 Go. Il a détecté immédiatement la clé USB qui est installée sur le PC. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Une fois l'opération terminée, il devrait y avoir écrit votre disque mémoire flash USB est prêt. Si il y a eu un problème ou une erreur, n'hésitez pas à recommencer l'opération. Ça devrait marcher la seconde ou la troisième fois. Ensuite, vous cliquez sur terminer. Et une fois l'opération terminée, vous allez vérifier sur votre clé USB que l'opération s'est bien effectuée. Si jamais vous n'avez pas les mêmes fichiers que moi, cela veut dire que l'opération s'est mal déroulée et dans ces cas-là, je vous invite à réeffectuer l'opération. Une fois que vous avez votre clé USB bootable, il vous faudra démarrer votre PC en question à partir de la clé USB bootable. Donc pour ça, il vous faudra brancher votre clé USB sur votre PC, appuyer sur la touche démarrer, puis spammer la touche supprimer ou F11 pour démarrer votre PC à partir de la clé USB en question. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un gros pouce bleu sous cette vidéo pour le référencement YouTube. C'était Darkfire. Bye.